beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 11, l'Ovia. Le troisième rayon angélique du cœur des chérubins est l'Ovia et s'occupe des énergies Uranus-Jupiter. En tant qu'ange de la victoire, l'Ovia est du genre à accorder la joie, la gentillesse, l'altruisme et l'amour à toutes les créations de Dieu. Être quelqu'un qui mène une vie harmonieuse, pleine de dévotion, de foi et de vérité, apportera chaque jour un sentiment d'enthousiasme pour la vie. Cet enthousiasme peut se transposer dans tous les domaines de la vie, notamment le travail, la maison, la famille et la vocation. Cet ange permet de cultiver son propre succès grâce à la croyance en la loi et l'organisation cosmique. Être quelqu'un de dévotion et d'acquérir de la sagesse permettra à un adepte de comprendre les messages et de voir comment les projets futurs peuvent se dérouler. Avoir un peu de prévoyance permet une planification et une prévision solide, menant à une vie commerciale victorieuse et rentable. Prière à l'ange l'Ovia. L'Ovia, ange qui accorde des situations confortables de façon définitive, qui accorde les plaisirs de la renommée, à toi je te demande de m'aider à faire jaillir de mon fort intérieur tout ce qui est utile au renouveau de ma vie. De mon passé, ange l'Ovia, fais ressortir tout ce qui parle de l'éternel amour, tout ce qui est juste et raisonnable, mais que ce soit enseveli, la complaisance pour ce qui est seulement anecdotique. Que soit enterré ce qui doit s'écrouler sous le poids des conventions. Détruis mon orgueil, mes vaines passions, mes jalousies qui me font mentir. Je veux être un exemple des dons et pouvoirs de l'Ovia, mon ange et mon roi. Merci. Avec toute ma gratitude, que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.